Salut Toqué, chapeau Toqué en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de la collection. Alors on attaque avec un premier film que je n'ai pas vu, de Mikiko Renyu, une adolescente, voilà, dans le film de Eiji Okuda. Bon bref, voilà, une adolescente, je l'avais eu dans un lot celui-ci, donc je sais pas du tout ce que ça vaut, ça a l'air d'être un petit peu sulfureux, donc... A voir. Ensuite, pas vu non plus celui-ci, je l'ai pris parce que je fais la filmographie de Romain Duris, film de Nicolas Boukrieff. Donc c'est La Confession, Nicolas Boukrieff qui a fait Made in France, qui est une vraie claque. Donc La Confession, voilà, ça a l'air d'être un film un peu religieux, ça a l'air d'être un prêtre dedans, Duris, donc à voir. Le film original, Mérine ou Mesrine, je sais plus comment on dit, de André Genov avec Nicolas Silberg et Caroline Aguilar. J'ai beaucoup aimé. Alors je vous cacherai pas que je pense que comme je l'ai vu tardivement je préfère le diptyque de Thomas Langman, je crois, mais vraiment très très bon celui-ci, et pareil, c'est pas un DVD facile à choper, donc je vous le conseille, hein. C'est toujours intéressant de voir ce qui a été fait avant. Un très bon film d'action français de Benjamin Rocher avec Alban Lenoir que je surkiffe et Jean Reno, c'est Anti-Gang, vraiment vraiment excellent. Il est en ce moment je crois à Noz en Blu-ray, si vous pouvez vous le procurer, et vraiment, vraiment, Alban Lenoir, hein, il est monstrueux dedans. C'est un acteur, de toute façon, très, très bon dans la français, il est génial aussi. Voilà, un acteur qui pousse un petit peu comme François Civil. On reste sur du lourd, un film de Martin Scorsese, mon Scorsese préféré, voilà, hein, qu'on se le dise, avec De Niro et Joe Pesci et Sharon Stone. Casino, d'ailleurs, faudrait que je me le procure absolument, soit dans une meilleure édition DVD ou dans un petit Blu-ray. Donc, Casino, film culte. Très bon film de combat de Karine Kusama, c'est avec comment elle s'appelle déjà, Michelle Rodriguez, c'est Girl Fight, c'est vraiment vraiment bien, c'est un espèce de Million Dollar Baby, mais beaucoup plus restreint au niveau du budget, tout ça, vraiment super super intéressant comme film, je vous le conseille très fortement. Ensuite un film avec Vincent Ladon qui va vous commencer à le voir, j'aime beaucoup cet acteur, Les Salauds, donc pas vu celui-ci, je l'avais aussi dans un lot, donc à voir, je sais pas trop de quoi ça parle parce que c'est un résumé en néerlandais et je ne parle pas le néerlandais. Ensuite un film que j'aime beaucoup, un vrai plaisir coupable, comment s'appelle-t-il le réalisateur, j'arrive pas à voir, mais c'est avec Shia LaBeouf, Michelle Monaghan et Billy Bob Thornton, c'est L'œil du mal, avec une espèce de manipulation du gouvernement, il va être contrôlé, ils vont tenter de le faire tomber. Shia LaBeouf, c'est vraiment vraiment excellent, très très bonne action, il y a une scène de drone à un moment avec un pont à New York, enfin c'est vraiment top. J'avais vu au cinéma aussi à l'époque et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, film assez culte avec Jeff Bridges et Tommy Lee Jones de Stephen Hopkins, film des années 90. BO vraiment super cool, malgré que le film soit un peu lent. C'est un film, je sais plus, c'est du déminage ou c'est rapport avec des explosions. C'est Blown Away et voilà, comme je vous dis, à part que le rythme est un peu lent, le film est vraiment vraiment bon. Duo d'acteurs excellent, Tommy Lee Jones et Jeff Bridges. Deux figures cultes des années 90, un notamment pour Big Lebowski et Tommy Jones ben, pour tout ce qui est Volcano, Men in Black et compagnie, US Marshall. Ensuite, film de Laurent Boutonnat que j'ai essentiellement pour ma filmographie Albert Dupontel. C'est avec aussi le regretté Jocelyn Quivrin hein, qui est décédé. C'est Jacoule Croquant, donc jamais vu, mais je sais que je le regarderai forcément, ne serait-ce que pour voir la performance de Dupontel, qui est un de mes acteurs préférés. Voilà, donc Jacoule Croquant. Ensuite, film de Ridley Scott, hein, cultissime, avec Suzanne Sarandon et Gina Davis. Un buddy movie de femme, un road movie, voilà, vraiment très cool. Thelma et Louise, un cultissime, on ne présente plus. Hop. Je vous ai présenté il y a peu de Fred Cavaillé, À bout portant et Mea Culpa. Celui-ci, je crois que c'est la suite de À bout portant, alors pas forcément suite directe, mais. Au niveau de sa réalisation, ou alors il est fait avant, je sais plus. C'est avec Jan Kruger et Vincent Lindon, et pareil, c'est vraiment excellent, c'est pour elle. Et je crois qu'elle est enfermée, elle est en prison, et il va tenter de la faire s'évader, je crois. Donc vraiment, vraiment top. Jan Kruger, j'adore cette actrice. Pas vu, c'est à ma chérie, on doit se le regarder, un film un petit peu romantique avec Emilia Clarke, donc Daenerys. S'appelle Me Before You, donc avant toi, et paraît-il que c'est très bon dans le genre, donc on verra ce que ça vaut. Ensuite, film culte hein, de David Lynch avec Nicolas Cage et Laura Dern que j'ai dans une meilleure édition. Sailor et Lula, voilà, pareil, super culte. Un de mes David Lynch préférés avec Mulholland Drive.
Sailor et Lula. Génialissime, de Paul Greengrass, je crois. Paul Greengrass, il me semble, j'arrive plus à le voir, ouais. Elijah Wood, Charlie Hunnam, c'est le premier hooligan, c'est le meilleur des trois, les deux autres, ça se regarder, mais voilà. Mais celui-ci, pareil, quelle claque, quelle claque, quelle claque. Le duo Elijah Wood et Charlie Hunnam est excellent, la fin est magistrale. Enfin, je vous invite énormément à voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, un film allemand, pareil, peu connu, mais vraiment brut de décoffrage et très particulier. C'est Experiment. Il y a eu un remake avec Adam Brody qui s'appelle L'Expérience, simplement, je crois. En gros, ils vont sélectionner des personnes pour jouer des détenus et des personnes pour faire les gardiens, pour faire une expérience et voir ce que ça donne. Et ça va tourner mal. Et c'est vraiment, vraiment particulier, mais très, très bon. Donc, Experiment, je vous le conseille également. Ensuite, un très bon film catastrophe. Je sais que c'est un des films préférés à ma mère. Avec Kevin Costner et Ashton Kutcher, c'est Coast Guard. Voilà, donc la film catastrophe, hein, vous avez pu le remarquer aussi, c'est un genre que j'aime beaucoup. Et celui-ci est vraiment bon. Ensuite, dédicace à mon poteau Goldie, je sais pas s'il connaît celui-ci avec Nicolas Cage et Dana Carvey entre autres, c'est Descente à Paradise et c'est une comédie fort, fort, fort sympathique de 2014. Voilà. Donc Descente à Paradise, très très fun. Si tu l'as pas vu, Goldie, je te le conseille. Ensuite, deux films de combat inspirés directement du jeu vidéo du même nom. C'est Tekken, le premier qui est vraiment cool, ça laisse vraiment regarder, j'ai beaucoup aimé. Et le second qui, pour le coup, je n'ai jamais vu. Mais ça doit être tout aussi sympa, je pense. Hein. Je l'avais eu à 1€ à Noz, celui-là. Voilà. Ensuite, pareil, je suis pas à 2€ à Noz et quel film. Je l'avais découvert avec mon oncle à l'époque, on faisait nos séances ciné chez lui. Ryan Gosling, Don Cheadle, Kevin Spacey, Michelle Williams. C'est United States of Leland, c'est un des premiers rôles de Ryan Gosling notamment, qui est l'acteur principal. Et c'est très très bien, franchement, c'est très 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 bon film. Détention dans un centre de détention pour mineurs. Et franchement, c'est top. Je vous raconte pas ce qui se passe dedans, mais c'est top. Film de Brian De Palma, un thriller sulfuré qu'Antonio Banderas et Rebecca Romijn Stamos, je sais pas dans quoi elle joue elle. Plutôt sympa aussi celui-là. C'est loin d'être le meilleur de Palma, mais ça se laisse regarder. C'est pas un petit peu dans la même veine que Basic Instinct, mais ça vaut pas Basic Instinct, par exemple. Donc, femme fatale. Il y en avait beaucoup hein, dans les années 90, ce genre de film, un petit peu sulfureux, là. Pas vu celui-ci, une comédie assez cool, pourtant, il me semble. Max la menace, Bruce et Lloyd. Voilà, c'est de Jill Junger, no conosco. Et les acteurs, pareil, me disent rien. Donc, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut, mais je sais qu'il y a une bonne réputation, ce film. Excellent celui-là de putain, c'est réalisateur de Precious, Lee Daniels, Matthew McConaughey, Zac Efron et Nicole Kidman. Paperboy, voilà, c'est vraiment vraiment bien. Là aussi, c'est un espèce de thriller un peu sulfureux où Nicole Kidman est vraiment brillante dedans. Et bah, je vous invite aussi à le voir, ce film Paperboy. Celui-ci pas vu, je l'avais trouvé au marché aux puces. J'ai vu Audrey Hepburn, Albert Finney. Je me suis dit que ça devait être un film assez, assez connu, assez culte. Je me suis jamais pensé dessus. Donc, Voyage à deux. C'est à la même période, je pense, que Diamant sur Canapé, avec Audrey Hepburn aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, édition Carlotta, Voyage à deux. Film avec Kristen Stewart, que j'ai toujours pas vu, de Jessica Scherzer. C'est Speak. Et ça, pareil, ça avait l'air un peu particulier. Donc, Melinda Sordino est une jeune fille simple et heureuse qui termine brillamment sa dernière année de collège. Lors de la fête de fin d'année, tout s'écroule brutalement quand la soirée tourne au cauchemar. Traumatisée par ce qu'elle a vécu, elle se terre dans un mutisme presque absolu. Arrivée au lycée, son isolement est accentué par le rejet de ses camarades et l'ignorance de ses parents. Progressivement, elle tente de rompre le silence sur l'expérience qui l'a marquée à jamais. Peut-être qu'elle s'est fait violer ou... Speak, voilà, ça avait l'air sympa, donc je l'avais eu dans un lot, je sais plus, 10 pour 3 euros, quelque chose comme ça. Film de Christophe Rudjak, que j'ai pas vu non plus, mais que je vais forcément voir parce que Clovis Cornillac, je surkiffe aussi cet acteur. S'appelle Dans la Tourmente et ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment bien. Un peu le genre de film que fait Fred Cavalier. Hein. Il y a un film que je vous conseille avec Clovis Cornillac, c'est Le Serpent, que j'aime beaucoup avec justement Yvan Attal. Donc voilà, Dans la Tourmente. Et un autre très bon film français avec Roche Dizem et Pascal Elbé, de Pascal Elbé, Tête de Turc, voilà, qui est un film un petit peu un polar. Un polar sans prétention et vraiment sympa. Donc Tête de Turc. Ouais les amis, ça conclut cette vidéo un poil plus courte que les premières. Il y a 2-3 DVD en moins que je vous ai présentés. Mais c'est pas grave, on revient avec du lourd d'ici peu. Je vous souhaite une très bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, comme vous voulez. Nous on se retrouve très prochainement. Je vois la vie, mais toqué. Ciao ciao.